J'en étais sûr. Nicole a demandé le divorce et impossible de la faire revenir sur sa décision. On est dans de beaux draps. Jacques, le fils aîné, a entrepris Maurice. Et Maurice a invité Nicole au restaurant. Et catastrophe. La guerre est déclarée. Nicole a essayé de mettre Gérard, le mari de Madeleine, dans son camp. Mais Madeleine y a mis le haut là. Et pendant ce temps, Maurice a retrouvé Sylvie, sa sœur jumelle. Qui lui a raconté comment elle était devenue call girl. Maintenant, elle ne veut plus entendre parler ni de son père, ni de moi. En ce qui concerne Nicole, Alexandre ne s'est pas tenu pour battu. Il a été demandé les conseils d'un grand avocat. Un mot en a entraîné un autre et Alexandre a flanqué Maurice à la porte. Gérard a voulu donner son avis, Alexandre l'a remis à sa place et il est parti lui aussi avec Madeleine et leur petite fille. Le choc a été très dur, mon pauvre frère. Dur, oui. Crise cardiaque. Plus le droit de venir ici maintenant, t'as compris? Non, je savais pas que tu savais conduire un tracteur. Ah ben comme ça, j'ai pas fini de t'étonner. Ouais. Saleté d'engin. T'as un problème là? Ouais, j'ai un problème. Ouais. Une saleté d'engin, voilà. T'as pas vérifié le réservoir? De quoi? Le réservoir? Non, mais tu me rends pour une abruti, hein? Non, mais. Écoute, je t'en prie, Maurice, tu n'as plus rien à faire ici. Ah, oui, d'accord. Clair? Allez, fiche. Attends, le corps. Deux secondes. Le fioul. Oh, j'ai soif. Voilà. Et voilà. Et en plus, elle fait rire. Non, c'est ta tête avec le chapeau du père. J'ai pas envie d'attraper froid. Comment il va? Bah, Yvonne te l'a dit, non? Écoute, comme c'est pas demain la veille qu'il va sortir de l'hôpital. Je veux pas qu'il le sache. Il ne le saura pas si tu lui dis pas. Je veux pas que tu restes ici toute seule. Hein? Aussi têtu que son père, hein? Bon, Maurice. Je te passe la couronne. Mais c'est provisoire. Ça va. Si tous les malades étaient comme lui. Alexandre! Mais dis donc, t'as une mine splendide. J'ai pas de force. Ah, mais qu'est-ce que tu crois? Un infarctus, c'est pas une partie de plaisir, hein? Alors, rassure-toi, parce que tu vas nous enterrer tous. Voilà. Comment ça va, là-bas? Oh, ça va pas. Mais ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, sans toi, je peux rien faire. Mais tu sais, je suis incapable de me servir du tracteur, j'y arrive pas. Il est temps que je revienne. Eh oui. Voilà, t'es indispensable, Alexandre. Hein? Ah, tu te soignes. Bon, bah, faut que j'y aille. Déjà? Bah oui, parce que je vais livrer mes volailles à l'auberge. Alors, j'ai pris 5 minutes comme ça pour te faire un bisou. Gentil. Hein? Et je reviens demain. Oui. Hein? Demain. Oh. Alex. Au revoir, Manila. Merci. Bah, de quoi? Et pour les enfants, qu'est-ce que je leur dis? Toujours non. Mais
sûr. Tout essayé? Oui, j'ai tout essayé, mais on pourra le changer. Ah, Nicole, attends. Tiens. On en est là. Dans le dossier. Demain, je dépose notre dossier de création d'entreprise à Maugrand. Ouais. Il a dit qu'il ferait accélérer les choses. Il est conseiller général, il va donner un coup de pouce. Oui, parce que tu lui plais. Arrête, écoute. Tu as tapé dans l'œil. Ah, bah tant pis pour lui, écoute. Chose sérieuse, les perspectives. Bien, avec le contrat que tu nous signeras, on aura déjà 200 hectares à cultiver. Et puis j'ai pris contact avec Beaulieu, tu sais qui prend sa retraite. 70 hectares. Oui, et puis. Et puis après, j'ai deux autres touches, mais il faut que je les revoie parce qu'ils se méfient un peu. Ils ont chacun 50 et 30 hectares. Ça fait 350. C'est pas mal. C'est pas mal pour commencer. Ouais. Mais je te parie qu'avant 2 ans, on aura 1000 hectares. Alors, j'ai pris contact avec mon ancien patron, c'est pour les machines agricoles. Il peut nous faire des facilités de crédit, mais il faut que tu donnes ta caution personnelle. J'irai voir ma banque. Ouais. Ah, voilà Madeleine. C'est Nicole, j'oublierai pas ce que tu fais pour nous. Mais je le fais aussi pour moi, t'inquiète pas. Je te mets le dossier. Ouais. Attends, je vais t'aider. Ça va, je peux porter ça. Ah, Madeleine, on a trouvé un nom pour notre société. Ah oui? Agracer. C'est chouette, non? Ça te plaît? Je m'en fiche. T'as de mauvais poils ou quoi? Je sais pas. Mauvaise humeur? Non. Ah, qu'est-ce que tu as? Rien. Et ton père? Il refuse toujours de me voir. Ouais, il ne changera jamais. Hein. Il a des raisons de nous en vouloir. Après tout, c'est à cause de nous, non? S'il a eu une crise cardiaque. Tu sais, Gérard, s'il était mort, je ne serais jamais pardonné. Ah, madame, t'es injuste. Et toi qui penses à votre société, Nicole a sa revanche. C'est bien ça, moi j'ai l'impression d'être en trou. Je suis bonne qu'à faire les courses, faire la cuisine. Je sais pas, moi c'est quand même sympa qu'elle nous ait loué sa ferme. Ah, sainte Nicole, priez pour elle! Madeleine, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Qu'est-ce que tu as? Il m'en veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens coupable. Mais de quoi? Mais coupable vis-à-vis de papa. Mais coupable vis-à-vis de toi. C'est toujours désagréable. Et coupable vis-à-vis de Nicole, je suis injuste avec elle. Mais je sais plus où j'en suis, moi. Viens, assieds-toi. T'es fatigué, c'est tout. Le changement était trop brutal. Viens. C'est merveilleux, chérie. Oh, ma chérie, c'est formidable. Oh.
génial, chérie. Tu n'as pas dit plus tôt, c'est génial. Tu vas voir, ça va nous donner encore plus de force pour le bagarre. Chérie. Nicole. Nicole. Une nouvelle formidable. Madeleine est enceinte. Non, c'est pas vrai. Ah, oh, c'est super. Oh, qu'est-ce que je suis contente pour vous deux. Ah, oh, c'est bien, c'est formidable. Oh, chérie. Non, c'est génial. Vous me direz, hein. Oh, attendez, attendez. Ça y est. Douillet. Hein? Allez, c'est rien. C'est rien, douillet. Je suis pas douillet, mais j'aime pas me montrer, c'est tout. Oh. Sentez ça, prenez. Santé. C'est délicieux. C'est ma sœur qui le fait. Oui. Votre régime vous interdit tout cela? Non, mais c'est bien pour ça que je vous l'offre. Oh, merci, c'est gentil. Entrez. Entrez. Je vous présente mon aîné, le chirurgien. Il a sa clinique à Orléans. Bonjour, Grand. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, tu es venu. Alors, il écoute bien, il est sage. Oh oui, il est adorable, comme un petit bébé. Voilà, comme un bébé. À la maison, je suis un ours, ici bon, un bébé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis de l'autre côté, vous m'appelez. Oui. Au revoir. Merci. Il est gentil, hein. Bon, comment ça? Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est bon. Bon, je viens de voir ton cardiologue. Oui. Il est content, ça va bien. Bon, alors quand est-ce que je sors? Oh là là, doucement, doucement, prudence. Pourquoi? Il y a encore des risques? Non, 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 fais voir. Non, seulement, faites prudent, faut écouter les médecins. Oh, lui dire que tout ça est de leur faute. Non, non, c'est de ta faute. Tu sais très bien que Madeleine, Maurice et Gérard n'y sont pour rien. Oh, ça c'est la meilleure. Oui, calme-toi. Mais j'ai jamais été malade, moi, jamais. Bon, quand tu vas sortir d'ici, il te faudra une bonne convalescence. Quoi? Mais si je savais comme j'ai envie de revenir à la Rose des Vents, je ne demande que ça, moi. Pas avant la maison de convalescence. Quoi? Mais oui, tu sais bien, avec Angelina, les régimes, tout ça, c'est pas possible. Une maison de convalescence, moi? Oh non, ça, jamais. Écoute, papa, ça, jamais. Papa, calme-toi, il faut que tu écoutes les médecins. Non, il faut écouter les médecins, non. Non, la maison de convalescence, non. Bon, dis-moi, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Mais non, j'ai tout ce qu'il me faut, de l'eau, j'ai tout ce qu'il me faut, tout le monde est gentil. Bon. Si... Non, si tu pouvais me procurer un tout petit peu d'alcool, mais ça te fait rigoler, mais pour papa. Moi c'est important. Mais une petite goutte, quoi, n'importe quoi. Mais non, tu as pas quelque de chose, du tout, quelque, pas chose, quelque chose de fort. Bon, je vais voir si je peux obtenir un petit peu de vin pour le soir, mais je mais pense... non, pas de vin, je me suis renseigné. Non, il me faut un vasodilatateur et du whisky, c'est excellent, tu vois. Mais du whisky, mais j'aime pas le whisky. On mais dit que je suis têtu, mais je sais de qui je tiens ça. Ah, mais tu es gentil. Tu peux pas faire quelque chose, alors. Tu es terrible. Oh, oh, merci, parce que ça, c'est... tu es gentil, alors. Salut. Allez donc, c'est pas beau, hein. On les voit, les citadins. Oh. Une bonne pluie, c'est bon pour la terre, ça. Alors, tu l'as vu? Ouais, ouais. Comment il va? Ça va, pas mal. Mais enfin, on a eu chaud, hein. Je ne lui ai pas dit que t'es revenu. Ah ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. Il sort quand? Oh, dans un mois, je pense, si tout va bien. Hein. Puis après, une bonne période de repos. Ce qui fait que tu es le maître ici pour un bon bout de temps. Ah, le maître du parc, tiens. Si je l'étais vraiment, tu sais ce que je ferais? Ben, je prendrais des fermages. Entre Nicole et Gérard et tout raflé avec leur contrat à forfait. Tu connais le père, hein? On va le voir. Oblige-le à t'écouter. Il a toujours respecté la force. Bon, dimanche, je viens avec Odile et la petite. Hein? Ouais, ok. Allez. Salut. Dis, au fait, enfin, j'ai pensé... Enfin, au cas où le père... ce serait peut-être bien de prévenir Sylvie. J'aimerais bien savoir où elle est, celle-là. Hein? Moi, je sais où elle est.
Oui, ben ne remue pas le passé, va. Laisse-la où elle est. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec le père. Elle n'existe plus pour la famille. Mais alors, plus du tout. À dimanche. Salut. Alors, c'est non. Ma petite Audrey, tu gagnes assez d'argent? Beaucoup. Tu t'es créé une belle clientèle. Mais tu prends des risques. Jamais je n'accepterai de me faire protéger. Jamais. Franck trouve que tu es un mauvais exemple pour ses filles. Mais si elles sont maquées, c'est leur problème. Moi, j'ai mon indépendance. Audrey, tu n'es pas raisonnable. Franck a des moyens de pression. Ah oui? Lesquels? Par exemple, ton gosse. Alors qu'il lui touche un seul cheveu. Un seul et je le balance. Les trafiquants de drogue et macro, ça je peux dire une chose, il plongera pour quelques années. Tant pis pour toi. Tu l'auras cherché. Oh, ne me raccompagne pas. Je connais le chemin. Allez-y pour la piqûre. Tu es là? Oui, là-bas. Ce sera vite fait. Viens. Salut Audrey. Salut Audrey. Foutez-moi la paix. Non, qu'est-ce qu'on te fait? Viens ici, pas. Viens ici, qu'est-ce qu'on te fait? Fous la paix. Regarde. Tu vas voir. Chacane. Tu vas voir, dans une jour, tu seras impeccable. Tu seras accro très rapidement, tu vas voir. Ici. Je ne sais pas faire de discours, je ne suis pas conseiller général comme vous, Jean-Claude, mais je voudrais vous porter un toast. Grâce à vous et à vos interventions efficaces, Agracer a pu voir le jour. Et c'est pour fêter nos 500 hectares de contrats que nous avons voulu vous avoir avec nous. Alors, merci du fond du cœur et à votre santé. Voilà. Et je vous souhaite de réussir. Vous le méritez, vous avez beaucoup d'enthousiasme, de foi.
Vous formez un bon trio. Comme les trois mousquetaires. Oh, excusez-moi, il faut que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. J'ai rendez-vous au ministère de l'Agriculture. Travail oblige. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère qu'on vous verra bientôt à la maison. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est un type formidable. C'est vrai, il est charmant. À propos, j'ai reçu ce matin ma lettre de jugement de divorce. Autant réciproque. Alors, ça fait drôle, hein? Mm. Non, c'est une page de tournée, c'est tout. Pour Maurice comme pour moi, d'ailleurs. Eh ben maintenant, tu es libre comme l'air. Exactement. Moi, je connais quelqu'un qui va être content. Mm. Qui? Jean-Claude Maugrand. Il t'a pas quitté des yeux pendant tout le repas. Arrête, t'exagères toujours. Écoute, ça fait longtemps que tu lui plais, hein? Plus, dis donc, c'est à mon parti. Il a une exploitation sensationnelle. Performante. Il est veuf. Donc libre. Alors, mes hommages respectueux, madame la conseillère générale. Mais vous avez fini, tous les deux. De toute façon, pour moi, le mariage, c'est terminé. Alors, à nous. Oui, nous trois, ouais. Ouais. À Grasser. À Grasser, ouais. Oui, ouais. À Grasser. Tu apprends par cœur? Non, non, ça me fait tout drôle. C'est de nos jours, le divorce n'est pas une maladie honteuse. Je donne pas un an pour trouver une petite mignonne, gentille. Et si en plus elle a du bien? Alors ça, jamais, tu vois. Plus jamais. Tu vas? Chez Valentin, faire un billard. Histoire de prendre l'air. Vous n'avez pas soif? Ça fait plusieurs fois que je sonne, les gars. Ça prouve que la clochette ne marche pas. Sonnez. Ah! J'essayais de sonner parce que je me demandais si ça marchait. J'ai une soif terrible. Là? Voilà. Oh. Oh, merci. Allez, à plus tard. Oui, à plus tard, merci. Tu me laisses parler? Bon, premièrement, je suis revenu à la Rose des Vents. Provisoirement. Angelina pouvait pas s'en tirer comme ça, toute seule. Et alors, la suite? La suite... Écoute, d'après Jacques, tu pourras plus travailler comme avant. Alors, je veux bien rester, mais... à mes conditions. Écoute. Je vais être payé et déclaré officiellement comme régisseur. Bon, ce sera plus lourd pour toi, mais j'ai bien réfléchi. On peut plus continuer à exploiter comme avant, c'est plus possible. Hein? 80 hectares de nos jours, c'est rien, c'est que dalle. Alors je vois qu'une solution, tu revends toutes les machines que tu as achetées pour avoir les moyens de te reconvertir. En quoi? Là aussi, je me suis renseigné. Je crois que j'ai trouvé. La culture maraîchère. Sous serre ou plastique, c'est pareil. C'est un super, super rendement. Garantie de succès. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, si j'ai bien compris, tu voudrais faire de mon exploitation ton jardin potager. C'est ça, hein? Oui, enfin... un grand jardin potager, oui. Mmh. Et pour ça, je devrais emprunter, hein? Bah oui. Ben non. Non. Parce que je suis pas encore mort, figure-toi.
Non, je veux bien te prendre comme employé, ça je peux pas faire autrement, je te paierai normalement. Mais je reste le patron et c'est moi qui décide. Voilà. Alors, c'est oui ou c'est non? Alors? J'ai pas le choix de toute manière. C'est oui, papa. Monsieur, bonsoir. Il y a encore de la lumière, oui. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a regardé la télévision. Ouais. Le Norvégien sent bien que la direction de la partie n'est jamais. Je n'ai pas encore couché. Non. Mais j'ai passé une soirée super. Je me suis bouffé plein de chips. Oui. J'ai fini la glace. Oui. Je me suis ouvert une boîte de sardines parce que j'avais un petit creux. Et puis j'ai fini la soirée par deux films d'horreur. Quel programme. Et vous? Mais c'était très bien, comme d'habitude. Oui, oui. Ta mère exagère. C'était bon chic, bon. Emmerdant. Ouais. Oh, tu exagères, Jacques. Le dîner était sublime. Absolument. Et nos hôtes? Délicieux. Exactement. Eh ben moi, je vais aller me coucher parce que je suis littéralement épuisée. Monstre. Oh, j'en peux plus avec ces deux larmes. Elle a raison, ta mère. Dodo. Ah, grand-père Alexandre a téléphoné. Il sort dans 4 jours. Eh ben, il va être content de la retrouver, sa rose des vents. Ah, mais attends, pas si vite, parce que... D'abord, il faut qu'il aille en convalescence. Où le met-il? Eh ben, justement, je voulais t'en parler. Mm-hmm. Voilà, je veux pas que mon père aille dans une maison de repos. Oui, mais c'est que pour un temps. Oui, mais j'ai réfléchi, j'ai pensé que... Enfin, j'ai décidé qu'il restait avec nous ici, quoi. Comment ici? Eh ben oui, avec moi, il est sous surveillance médicale, et puis comme ça, il se retape en famille, avec nous. Génial! Ah. Ah, écoute, tu plaisantes? Non. Enfin... Écoute, chérie, ton père est un homme que j'adore, mais c'est un homme de la campagne. Il n'a rien à faire avec... Oui, il n'est pas de notre milieu, c'est ça. Écoute, c'est la première fois que j'ai l'occasion de lui montrer que je ne suis pas un fils ingrat. Et je ne dois pas oublier que c'est grâce à lui que j'ai mon diplôme de chirurgien. Oui, c'est évident, ça, mais... Allô? Oui, je vous le passe. Papa! Oui? C'est pour toi. Oui? Ah bon? Et combien de temps? Et dans quel état est-il? Bon, moi j'arrive tout de suite. J'ai une urgence. Il y a un type qui est rentré dans un camion avec une moto. Et dire qu'on ne pourra jamais passer une soirée tranquille. Ça, c'est mon métier. Tu t'en vas? Oui. Quant à mon père, que tu le veuilles ou pas, il passera sa convalescence avec nous. Viens. Arrête de ronger tes ongles. Oh, il ne soupire pas, hein. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me demandais pourquoi tu voulais absolument que papa ait honte de son père. Une seconde. Tu as travaillé aujourd'hui? Oui. Vraiment? Oui.
Broadway, Chorchester. Bye, bye. C'est François à l'appareil. Je serai à Paris pour le week-end. Je te retiens. Un soir pour moi et dimanche pour un de mes amis. C'est les gens qui aiment. Et il paie bien. Un samedi 20h à mon hôtel. Bye, bye. Allô, Audrey? Bien. Nous allons parler sérieusement. Assieds-toi là. Franck ne t'en veut pas de ne pas travailler en ce moment. Mais ta cam me coûte cher. C'est vous qui m'avez droguée. Franck ne supporte pas les fortes têtes. Alors voilà ce qu'il a décidé. Tu pars en Allemagne. Pourquoi? Pour travailler dans le confort. Ah, les zéros sanitaires. J'irai pas. Alors plus de cam. M'en fous. Comment je me suis mis? Oh, mais je veux, ça fait rien, pour aller en voiture, ça va. Mais écoutez, mais il faut pas faire ces têtes-là, c'est pas triste. Je vais en convalescence chez mon fils, alors. Bonjour. Et puis ne vous en faites pas, à la maison, il sera comme un cocon. Ça fait l'effet d'un enlèvement. Oh, mais ne vous affolez pas, ce soir, il vous téléphone. Bon, alors je vous embrasse, hein. Ah. Et moi. Au revoir, Yvonne. À ce soir. Attention, hein. Oui. Bon, bah, c'est pas tout ça, moi, faut que j'aille livrer mes volailles. Il sera très bien chez Jacques, vous l'avez vu? Normand n'était pas son cousin. Ah. Viens avec vous, ça me changera les idées. Ah, si vous voulez. Va te suicider à ton âge. Tu n'es pas un peu folle. Je me dégoûte. Pourquoi vous m'avez droguée de force? Pour que tu deviennes raisonnable. À Baden, si tu es sage et si tu travailles bien, tu pourras vite te désintoxiquer. Tu crois? Je connais ta volonté. À quoi tu penses? Je me dis que j'avais commencé à faire ce métier en me disant que je pourrais m'arrêter quand je voulais. Et puis maintenant... Maintenant, tu te reposes. Je reste près de toi. Il faut que tu récupères. Ça t'aidera à passer peu à peu de cette saloperie de drogue. Mais j'ai au moins de ne le dire à personne. Si Franck le savait, il me descendrait. Tu en prends quand tu es en manque. Mais il te faudra aussi de la volonté. Pourquoi tu fais ça pour moi? Moi aussi, par moments, je me dégoûte. Je t'attends à côté. Thank you.
converse avec la cuisinière comme s'il la connaissait depuis l'enfance. Il a des conférences avec le jardinier, c'est incroyable. Il a retrouvé les gens de son milieu, ma petite Odile. Et je ne vous parle pas de sa tenue à table, mais c'est à frémir. On dirait qu'il le fait exprès. Et qu'en pense son mari? Ah ben, ravi. Il est ravi. Il a retrouvé le père prodigue. Je n'ai plus aucun mot à dire. Et Nathalie en profite, c'est bien simple, j'ai plus aucune autorité. Écoute, prends ton mal en patience. Il ne va pas s'éterniser ici pendant des mois. Dieu vous entende. Bonjour, professeur. Dites, quel drôle de temps, hein, ça change tout le temps. C'est orageux, maintenant. Ouais. J'en parlais tout à l'heure avec Étienne. Pour un jardinier de maison bourgeoise, il s'y connaît en culture. Hein. Je revenais pas. Vous voulez une tasse de thé? Ah non, merci. Tout va comme vous voulez, professeur. Non. Ah, il est pas tellement bien, mon bon Alexandre. Ben, voyez, moi, je me porte de mieux en mieux, je suis guéri. Tant mieux, vous allez bientôt pouvoir la retrouver, votre chère Rose des Vents. Ah oui, mais enfin, pas avant que Jacques me donne autorisation, parce qu'il s'occupe de moi. Je suis soigné tous les deux jours, dans sa clinique, je fais passer des examens. Dans ma clinique. Oui, c'est du pareil au même. On adore Jacques. Là-bas, tout le monde, le personnel, c'est tout le monde l'adore. Il est tellement simple. Et puis, je vous parle pas des malades. Je suis heureux d'avoir pu lui donner la possibilité d'exercer son métier consciencieusement. Oui. Bon, écoutez, je vous laisse parce que je vais à la cuisine. Vous permettez? Oui. Parce que j'ai des gouttes à prendre. Non, mais ce n'est Germaine, elle vous les apportera. Ah non, jamais de la vie. Moi, ce n'est Germaine, non. Non, j'aime mieux aller à la cuisine. Vous savez, les salons, les chichis, moi. Comme vous voudrez. À tout à l'heure. Et voilà, vous avez la preuve de ce que je dois endurer depuis un mois. J'en toucherai deux mois, Jacques. Ah non, ne le faites surtout pas. Vous avez déjà trop de sujets de friction avec lui pour en ajouter un autre. C'est comme le terrain, je vous avais demandé de ramasser les papiers. Regardez. Alors là non plus, vous n'avez rien fait. Alors vous allez les ramasser, sinon tout le temps vous êtes collé. Monsieur allez, Renaud, après... oui. Il y a quelqu'un qui vous demande. D'accord, alors vous y allez, et après, on verra ce qu'on fera de vous. Allez. Madame Leclerc, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Renaud. Bien, excusez-moi, j'ai pas pu venir plus tôt. Je vous en prie. Donc, comme je vous ai expliqué au téléphone, il faut que je m'absente un an à l'étranger. Alors, je vous ai préparé un chèque. Ah, mais vous savez, il fallait pas se faire confiance entre nous. C'est normal. Alors, comment votre fils a réagi? Bien, il a compris. Je lui ai expliqué que mon travail d'interprète m'obligeait à m'absenter souvent. Vous voyez, je vous l'avais dit, Rémi est un petit enfant Monsieur, très courageux. Oui, Stéphane. Il y a mademoiselle Jeanne qui vous demande. J'arrive tout de suite, s'il vous plaît, je finis de parler. Je vous l'avais dit, Rémi est un petit garçon courageux. Cela dit, il est un peu dissipé, mais intelligent. C'est vrai. Allons, vous êtes bien passé pour le savoir, non? Ah oui. J'ai rédigé quelques cartes à l'avance parce que... il a l'habitude que je lui en envoie toutes les semaines, le mercredi. Alors, si vous pouviez lui envoyer... Je vous promets de m'en occuper personnellement. Non seulement il le recevra chaque mercredi, mais je vous promets qu'il le recevra de Paris. Merci. Est-ce que vous voulez le voir à tout hasard? Non, je préfère pas. Est-ce que je peux le faire sortir de la place, si vous voulez? Non, c'est bien. Bon. Merci beaucoup. Madame Leclerc, au plaisir. Au revoir. Allons-y, Christine.
crois vraiment que je m'en sortirai? Je ne veux pas le savoir. C'est ton problème. Mais certainement, cher ami. Ce sera avec un infini plaisir. Est-ce que nous vous verrons au festival musical? Très bien. Je n'y manquerai pas. C'est vrai ce qu'on vient de dire? Vous êtes malade ou quoi? Quoi donc? Vous allez opérer Madame Quentin? Oui. Enfin, mais c'est inconscient, c'est de la folie. Non, je ne vous permets pas, mon cher Jacques, de porter des appréciations sur mes capacités de professeur. Bien que vous soyez mon gendre, vous n'êtes jamais qu'un des chirurgiens que j'emploie. Pas moins, mais pas plus. Mais c'est scandaleux! Que vous prétendiez opérer dans votre état, c'est honteux! Regardez mes mains. Alors? Alors, je me permets de vous rappeler qu'il y a un mois à peine, j'ai sauvé de justesse une de vos conneries. Je vous pardonne. En tant qu'époux de ma fille, vous pouvez disposer. Écoutez, vous pouvez disposer! Réceptionner à Baden-Baden par des gens à nous. Mais je t'avertis, n'essaye pas de te tirer. Tu ne peux pas nous échapper, compris? En route. Bon, alors, je mets la femme du maire près du proviseur. Non, 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 elle est trop bavarde, je vais la mettre à côté de l'évêque, il est sourd. Qu'est-ce que t'en penses, Nathalie? Qu'est-ce que t'en penses, grand-père? Moi? Ah, je sais pas, moi. Bah, tu vois, on n'en pense rien. Oh, mais écoute, chérie, je te signale que si je donne ce dîner, c'est un peu pour toi, hein. Le fils des sucres Montel te trouve charmant. J'en ai rien à foutre. Oh, pardon. Si j'épouse un type, ce sera pour lui, ce sera pas pour bouffer son sucre. Oh, et vous trouvez ça drôle, vous, hein? Alors. Oh, mais qu'est-ce que t'as? T'as mis trop de sucre? Très à table. Hein, tu te rends compte? Alors, c'est une catastrophe, il faut absolument trouver un 14e, sinon mon dîner est raté. Non, non, voilà, ma petite Odile, vous inquiétez pas, hein, je souperai dans ma chambre, parce que vos machins, là, comme ça, je m'y embête. Non, vous feriez ça pour moi? Écoutez, vraiment, c'est trop gentil. Mais non, au revoir, merci. Non, mais hein, vous pourrez rester pour l'apéritif. L'apéritif, moi? Ah non, et mon régime, pas d'alcool? Ah non. Amusez-vous bien, bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit, merci. Hein. T'es contente, hein, tu l'as bien réussi, ton coup. Va te préparer, tu es en retard. Ouais, bah vous serez 11 à table. Pardon? J'ai oublié de te dire que je faisais un régime aussi. Et il m'interdit le sucre en gros. Nathalie! Oh, mais j'en ai marre de cette petite peste. Elle est toujours en train de me gâcher tout en ce moment avec son grand-père. J'en ai marre. Oh! Mais la priorité, connard! Mais va discuter avec lui. Laisse-le faire. Calmement. Proposez du fric. Du fric? Vas-y, allez, écoute, on va rater l'avion. Regarde un peu. Mais Cécile a ta chance. Je veux pas, t'es dingue. Dépêche-toi. Mais vas-y. Ah non, écoute, plus tard. Allez, va. Tu sais que t'es un grand-père génial. Oui. Oh, je vais te payer, attends. Quand je pense à ce qu'ils doivent s'enquiquiner en bas. Ah ben, c'est bien fait pour eux, ça. Ouais, ça. Mais non, mais tu sais, maman, elle fait pas exprès d'être casse-pied, hein. C'est dans sa nature. Non, mais parle pas comme ça, ta mère. C'est quelqu'un de très bien, ta maman. Ouais, ouais, mais elle est pas drôle tous les jours. Oh, ben, tu te rattraperas quand tu seras grande, hein, toi. Quand je serai grande. J'ai 16 ans et demi, figure-toi. 16 ans et demi, qu'est-ce que c'est, 16 ans et demi? Un enfant. Qu'est-ce que tu penses du prof?
Oh, écoute, non mais sois respectueuse, enfin, c'est ton grand-père quand même. Ouais. Le professeur Rothman, c'est un monsieur très bien, le professeur. Ouais, un monsieur barbant. Tu sais qui se tape encore des minettes? Non, écoute, Nathalie, non, écoute. Tu sais pourquoi je te préfère? Parce que t'acceptes ton âge. Le prof, lui, supporte pas l'idée de la retraite. Oui. Et pourtant, papa pourrait le remplacer. Il est drôlement plus fort que lui. Tout le monde le dit à la clinique. T'en es fière, hein, de ton fils aîné? Non, mais ça te regarde pas. Grand-père, je peux te poser une question? Vas-y, pose toutes tes questions et je te réponds. Alors, bon. Alors, voilà. Est-ce que c'est vrai qu'oncle Maurice avait une sœur jumelle? Oh, papa. Bah, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Un coup de pompe? Non. Papa? Et la clinique vient de me tomber sur la tête. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Eh ben Jacques, qu'est-ce qui se passe? Nos invités te réclament quand même. Eh ben tu peux leur dire de partir. Tu plaisantes ou quoi? Est-ce que j'en ai l'air? Figure-toi que je viens de recevoir un coup de fil de la clinique. Mais tu es habitué aux urgences. Oh mais il s'agit pas de ça, il s'agit de ton père. Il lui est arrivé quelque chose. Pas à lui. Non. À une patiente qu'il a opérée malgré mon avis et qu'il a tuée. Pourtant je lui ai dit cet après-midi. Seulement on peut pas donner de conseils à monsieur Rothman. La clinique est à lui, il fait ce qu'il veut. Et maintenant, voilà. On a une femme qui est morte par sa faute. Il faut absolument faire quelque chose, Jacques. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux la ressusciter? Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Il faut absolument étouffer cette affaire, Jacques. Enfin, tu t'imagines le scandale? Oh, ça oui! On n'aura plus qu'à fermer la clinique. Il faut absolument réagir, Jacques. Toi seul peux le faire. Et où il est en ce moment, le professeur? Ah bah, il est chez lui, sous calmant. Bon, écoutez, moi, je vais jusqu'à la clinique, je vais voir ce qu'on peut faire, et puis je vous rappelle. Occupe-toi des invités. Je peux vous aider, je peux... Merci. Merde!